Je suis Miss Univers de Bodybuilding. Au départ, quand on commence à se préparer, donc toujours pas mal de protéines, on a ce qu'on appelle des glucides, au début donc de la sèche, et petit à petit on les réduit de plus en plus, on augmente les protéines. En l'occurrence, personnellement, moi j'augmente beaucoup les acides gras, les oléagineux, tout ce qui est amandes, beurre de cacahuète, j'en consomme beaucoup, des avocats, des huiles, et j'augmente petit à petit les acides gras, et je garde toujours la base de protéines, que ce soit en solide ou en liquide. Le matin, quand je me lève, souvent je commence par prendre mes compléments alimentaires. Ça commence par une omelette avec des œufs. Au début du régime, les œufs avec les jaunes d'œufs, on les garde, des flocons d'avoine mélangés. Et après, généralement, en fin de sèche, il n'y a plus les jaunes et il n'y a plus le flocon de l'avoine. Donc à la fin, on a un apport calorique assez maigre pour justement forcer à tirer sur ce qu'on appelle le tissu adipeux, pour le dire plus poliment. Le tissu adipeux, c'est de la graisse. Les gens, ils ont cet aspect où la protéine, c'est du dopage. Et il faut savoir que la poudre, c'est tout simplement une base, comme le lait qu'on donne au bébé, qui a été adaptée pour le travail physique. C'est tout simplement du lait bébé amélioré. Mes enfants sont admiratifs par rapport à mes titres, c'est-à-dire qu'ils sont fiers. Après, si vous voulez, ils ont l'habitude de me voir me préparer, etc. Bon, ils sont pas spécialement assez indifférents de ce que je fais. Voilà. Lâche rien, tu vas y arriver. On est beaucoup plus féminine dans la vie de féminine entre guillemets, dans la vie de. Parce que pour moi, quand je suis sur scène, je suis quand même assez féminine, je suis en maillot de bain, je suis maquillée. Mais c'est vrai qu'on a un physique plus accessible dans la vie de tous les jours. Tout travail mérite respect. Quand on gagne le titre Miss Univers, alors bon, il y a certaines compétitions, des fois on a un petit chèque, mais pas grand-chose. Ça a dû m'arriver une fois j'avais gagné 150 euros, bon, j'étais contente. Après, non, qu'est-ce qu'on gagne? Un pot de protéines et une coupe.